وإلى دراسة بريطانية جديدة رصدت مجموعة من الأمراض الشائعة مثل الصداع النصفي والإنفلونزا وارتفاع ضغط الدم، وقالت إنها أخطر على الرجال من النساء. كاميرا أخبار الصباح رصدت آراء الشارع في لندن وباريس. هل الأمر يتعلق بالخطورة أم بقدرة النساء على تحمل الألم؟ It's because we constantly deal with these things like women do, but we don't moan about it as much as women do. I think women. Well, I mean, childbirth for one. So, but men just get on with it. So, you probably don't hear much from men going, "Oh, I feel terrible," what have you. Don't know. So, what I think? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Je dirais que les migraines c'est dangereux pour tout le monde et que c'est chiant et qu'il faut l'éviter. Voilà, franchement, c'est ça que j'ai à vous donner là. La migraine, je pense que c'est plus dangereux pour les femmes. Quoi ? Je sais pas. Un point de vue. Un point de vue d'homme. Mais je pense pas que ce soit plus dangereux pour les hommes que pour les femmes, mais c'est un prétexte pour les femmes peut-être.